Une famille immédiate, nouvelle comédie et mettant en vedette Mark Wahlberg, qu'on est surtout habitué de voir dans les films d'action. Petite comédie vraiment sympathique, simple, qui raconte l'histoire du personnage de Mark Wahlberg et sa conjointe qui décide d'adopter des enfants, mais plutôt que d'y aller avec les jeunes enfants comme on est habitué, décide d'adopter une adolescente, mais qui vient avec son petit frère et sa petite sœur. Donc, évidemment, va s'en suivre une. Ben, il passe de pas d'enfant à trois enfants. À trois enfants à problème, évidemment, on le sait un peu. L'adoption, c'est assez rare que c'est des enfants qui ont pas un peu de problème. Mais vraiment, c'est un film qui fait. Qui parle d'adoption, qui donne le goût d'adopter vraiment à la fin. Si vous n'avez pas le goût, ben, c'est comme rien. J'imagine qu'ils ont profité de l'occasion pour comme avoir un message à passer. Mais est-ce que le message étouffe le côté comédie? Est-ce que les deux se mélangent bien? C'est vraiment bien dosé. Même que je trouvais que des fois, le côté comédie allait dans des endroits qu'ils n'étaient pas obligés d'aller. La comédie qui entoure les enfants, les parents, c'est parfait. Des fois, ils allaient dans des petites blagues, je ne peux pas dire déplacé, mais qui était hors contexte avec des personnages qui allaient dire des réflexions un peu idiotes et déplacées pour rien. Mais vraiment, c'était un très bon divertissement. Et quand je parle de vous allez avoir le goût d'adopter, à la fin du générique, tout de suite, t'as l'adresse pour aller t'informer sur l'adoption. Il donne l'information. Oui. Puis vraiment, belle morale, beau film. Un film qui, moi, j'appelle ça un film qui a du cœur. Okay. Il y a les valeurs à bonne place, ça a du cœur, c'est tu sens qu'ils se sont amusés à faire ça, vraiment un beau groupe de personnages. Je m'attendais pas à aimer ça, vraiment. Okay. Moi, Mark Wahlberg, je suis pas un fan, mais là, vraiment, ça m'a séduit. Du début à la fin, j'ai pas vu l'heure et 50 passer. Donc, si on a quelqu'un qui est du genre, on pourrait pas prendre un film d'action ou quoi que ce soit, ça s'adresse à tout le monde, puis on va quand même trouver son plaisir. C'est pas trop cucu, c'est pas trop juste de la comédie, une belle histoire, beau fond, vraiment, n'hésitez pas.